Bonjour, je m'appelle Isabelle Demers, je suis la directrice du Centre d'action bénévole d'Hubertville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue chez nous! Le Centre d'action bénévole d'Hubertville a été créé en 1970. Il est issu d'un désir de la communauté de créer un regroupement. On est un centre très multiservice, donc on offre entre autres de l'alphabétisation. On offre de l'air pour pâte roulante, plusieurs services en maintien à domicile pour aider les aînés justement à développer leur autonomie, à sortir de l'isolement. On offre le service de boutique à petit prix et plusieurs services aussi en sécurité alimentaire, donc dépannage, aide à la rentrée scolaire, et ce qui inclut également les jardins communautaires. Les jardiniers qui viennent, ce sont bien sûr souvent des personnes qui n'ont pas accès à des parcelles de terrain à leur domicile, mais je dirais que la majorité, c'est plutôt pour briser l'isolement. Ce qui m'a amenée à faire du bénévolat, je pourrais dire que c'est de vouloir aider le monde et puis faire des connaissances, parce que vu que je suis nouvelle ici, je ne connaissais pas grand monde. Faire du bénévolat, pour moi, ça m'apporte beaucoup de rencontres, de connaissances, de plaisir, d'aider. J'aime beaucoup aider le monde, alors pour moi, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Chaque année, en application bénévole, on compte environ 200 bénévoles, vraiment actifs. Bien sûr, on fait beaucoup de références également. Là-dessus, on peut compter presque une centaine de jeunes, outre ce 200 bénévoles, qui sont des jeunes qui viennent faire du bénévolat au Centre d'action bénévole. On a la chance, entre autres, d'avoir des écoles qui offrent dans leur cursus scolaire de faire du bénévolat. C'est pas plat de faire du bénévolat parce que, bien, en fait, ça vous fait passer le temps en même temps. Comme au lieu d'être assis sur votre divan à rien faire puis à manger n'importe quoi, bien, vous pouvez faire du bénévolat, ça vous reste actif aussi parce que vous bougez beaucoup. Puis ça aide aussi les personnes dans le besoin et comme ça. On a développé depuis 2 ans un camp d'été pour jeunes bénévoles. Alors, les jeunes viennent dans les organismes faire du bénévolat avec toutes sortes de clientèles. Le projet est vraiment basé sur le plaisir. On veut que les jeunes se rendent compte que faire du bénévolat, c'est vraiment trippant. Je fais plusieurs choses, comme je vais faire des manucures aux personnes âgées. Aussi, je fais de la cuisine, je fais la boutique, comme je trie des vêtements ou des jouets. De faire du bénévolat, ça m'apporte beaucoup de bien, que j'aime beaucoup parler avec les gens, comme j'aime ça les voir heureux. C'est surtout mon école qui m'a aidé à commencer à faire du bénévolat parce qu'avant, ça m'intéressait pas vraiment, mais j'ai découvert que c'était le fun. Normalement, si j'aurais pas fait le projet bénévole cet été, je serais sûrement resté chez moi tout l'été à écouter la TV puis dormir. Fait que mon été a passé beaucoup plus vite que mes autres étés avant. Ce que j'aimerais dire aux gens qui font pas encore de bénévole, bien, embarquez-vous, c'est le temps, parce que je vais vous dire, vous savez pas ce que vous manquez. Parce que c'est tellement plaisant de faire ça. Et vous allez faire beaucoup de connaissances, vous allez faire du monde heureux, puis vous autres-mêmes, vous allez devenir beaucoup plus heureux. Au moins jusqu'à 90 ans, je vais faire du bénévolat parce que j'adore ça. Si je suis capable, je vais en faire jusqu'à 90 ans du bénévolat.